Le Sénégal est prêt à assouplir certaines des restrictions imposées pour aider à freiner la propagation de la COVID-19. Dans un discours télévisé, le président Macky Sall a déclaré que l'état d'urgence et le couvre-feu imposé le 23 mars dernier seraient levés à partir de ce mardi 23h heure locale. Le président a ajouté qu'à partir du 15 juillet, les frontières aériennes seraient réouvertes au monde entier et que les vols internationaux reprendraient. Néanmoins, les frontières terrestres et maritimes resteront fermées. Le taux de létalité au Sénégal est de 1,5% contre une moyenne africaine de 2,5% et de 5,2% au niveau mondial. Le Sénégal affiche un taux de guérison de 64,8% contre une moyenne africaine de 48% et mondiale de 50%. Le président a également affirmé la nécessité de préparer l'après-Covid. Cette année, l'État recrutera 500 médecins et 1000 professionnels de la santé et adoptera un plan ambitieux de modernisation du secteur. Le Sénégal a déclaré 6698 cas de contamination et 108 décès.